Salut tout le monde. Nouveau format court spécial collège baseball, et je vais mettre les pieds dans le plat. Qui est le meilleur joueur de l'histoire au moment où je parle en termes de collège baseball? Avec plus de 160 ans d'histoire, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été des stars, non seulement au niveau universitaire, mais aussi au niveau professionnel, hein, donc en MLB, et qui ont donc fait leur preuve au niveau universitaire. Mais maintenant, ce que je vais vous faire rapidement, c'est une liste de joueurs que vous connaissez certainement, peut-être d'autres noms, qui sont potentiellement dans cette liste des plus grands joueurs de tous les temps au niveau universitaire. Et après Buster Posey en termes de catcher, maintenant on va parler de Will Clark, hein, Will the Thrill, le joueur de première base, hein, All-Star en MLB et qui en collège baseball a fait plus que ses preuves avec une moyenne en carrière de plus de 39%. Il a été notamment Golden Spikes en 1985 dans une équipe qui a été All-Time, une équipe qui a malheureusement pas réussi à remporter le titre mais qui est un what-if générationnel. Il composait en fait un 1-2 punch avec Rafael Palmeiro, ils étaient appelés Thunder and Lightning, et pour toutes ces raisons, Will Clark a vraiment fait ce qu'il fallait pour être dans les livres d'histoire en termes de collège baseball. Et bien sûr, à Mississippi State. Allez, on se retrouve bientôt pour la deuxième base.